Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la semaine à venir. Donc nous serons du 18 au 24 septembre 2023 et on va voir ce que vous réserve cette semaine. Avant de commencer la guidance, je voulais bien évidemment vous dire un grand merci pour tous vos messages de soutien pour notre petit Thibou, donc voilà, qui a rejoint le paradis des lapins. Donc en tout cas, vos messages m'ont énormément touchée et m'aident aussi énormément à traverser cette épreuve. Donc on va voir quels sont les messages pour cette semaine qui arrive. Alors, nous avons le message, nous avons le dragon domestique. Alors ici, on vous parle de communication entre les espèces animaux familiers, animaux gardiens. Donc ici, il peut y avoir un lien très fort avec les animaux, avec la nature. On voit aussi que vous allez recevoir des messages de votre environnement de vie. Nous avons aussi le chiffre 42. Donc si on associe, on retrouve le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est un chiffre de récompense qui va vraiment vous indiquer que vous allez recevoir des cadeaux de l'univers, vous allez recevoir des messages. Et ça peut être aussi une transformation. On a quand même le symbole du papillon. Donc on voit que vous allez prendre votre envol. On voit aussi que vous allez vous lancer dans un nouveau projet. Donc ça, c'est le message qui vous est destiné. Alors, on va faire le tirage avec le Lenormand. On va voir un petit peu les prédictions pour cette semaine. Oups, là, on a déjà le soleil. Donc, on nous parle de bonheur, de joie. Ça peut être aussi une réponse positive qui arrive. Alors, au dos du jeu, nous avons le renard et nous avons la carte du jardin. Alors ici, on nous parle d'ouverture par rapport à votre vie professionnelle. Il peut y avoir de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous. Mais on nous indique aussi une certaine prudence. On voit que vous prenez le temps d'analyser les choses, vous réfléchissez, vous faites le point. Il y a aussi des nouveaux liens qui vont se créer, de nouvelles rencontres qui vont arriver dans votre vie. Et on nous confirme bien ici avec l'énergie du papillon, une transformation, un renouveau que vous allez ressentir. On voit aussi beaucoup d'intuition, on voit vraiment que vous allez suivre tout ce que vous ressentez en vous. Alors, on va voir les messages. Donc, on va prendre 13 cartes. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors au dos du jeu, nous avons la cigogne, nous avons le bouquet et nous avons le serpent. Alors ici, on peut vous parler d'un cadeau, d'une offre qui va arriver pour vous. On vous parle aussi d'un changement, d'une évolution dans vos projets. Mais on voit qu'il peut y avoir une certaine prudence. On voit ici que vous vous méfiez par rapport à certaines énergies qui vous entourent. Ça peut aussi nous parler de rivalité ici. On a quand même une énergie féminine qui est présente, donc il y a peut-être une certaine méfiance concernant une personne qui vous entoure. Mais on voit ici un changement bénéfique qui va arriver. La cigogne peut représenter un déménagement, un grand changement de vie qui arrive pour vous. Alors, je vais placer les cartes et hop, comme ça, vous les voyez mieux. Alors, en première énergie, nous avons le renard qui est ressorti à la coupe. Donc ici, on voit que votre vie professionnelle va prendre une place importante. Ça peut être aussi une activité qui vous passionne, qui est très importante pour vous. Mais on voit aussi que vous allez prendre le temps d'analyser les choses, de regarder les choses sous un autre angle également. Avec le renard, on voit que vous avancez lentement mais sûrement dans vos projets. Nous avons aussi la carte des poissons. Donc ici, on a peut-être un désir d'indépendance. Au niveau professionnel, ça peut être le fait de vous mettre à votre compte, de développer un projet qui vous tient à cœur. Mais on voit aussi beaucoup d'émotions. On voit vraiment une fluidité dans les énergies qui vont arriver pour vous. Avec les poissons, on voit aussi qu'il y a de nouvelles idées qui sont présentes. Beaucoup de projets que vous avez en tête. Nous avons aussi le cercueil, donc vous terminez un cycle. Avec la carte du cercueil, vous allez tourner une page importante. Ça peut être justement le fait que vous allez vous sentir renaître intérieurement. Vous allez pouvoir vous sentir libéré
Avec la carte du cercueil, on voit aussi que vous quittez peut-être une situation qui pouvait être néfaste pour vous. Nous avons aussi les nuages. Donc il y a un petit peu de doute, il y a un petit peu d'incertitude, mais les nuages ne font que passer. Donc on voit que les choses vont pouvoir s'éclaircir. Ça peut être le fait de quitter une situation qui justement a amené beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, mais on voit que les choses vont pouvoir avancer. Nous avons aussi le trèfle. Alors ici, on vous parle d'une opportunité, on vous parle d'une chance qui va se présenter à vous. C'est quelque chose qui va arriver de manière très rapide, en tout cas plus rapidement que prévu. Donc on vous invite à saisir les opportunités qui vont arriver. Je ressens en tout cas un projet indépendant que vous souhaitez concrétiser depuis longtemps, quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir concrétiser. Nous avons aussi l'anneau. Donc ici, on vous parle d'un engagement, on vous parle d'un accord qui va être trouvé. On vous indique aussi que vous allez avoir une opportunité de pouvoir vous engager dans un projet. Mais ça peut être aussi un engagement avec une personne, un coup de foudre ici, qui va aboutir à une union, à une concrétisation. On peut aussi nous parler d'un mariage. On voit vraiment avec l'anneau qu'il y a un lien qui va pouvoir se renforcer. Et je ressens vraiment quelque chose de soudain, quelque chose qui va bouleverser le cours des énergies qui sont présentes. Alors, nous avons la carte de l'encre. Donc ici, on voit un retour à la stabilité. On nous indique aussi que vous allez trouver un accord avec une personne. Les choses vont pouvoir vraiment s'ancrer, vont pouvoir évoluer dans le temps. Mais aussi, on voit que vous avez envie de vous libérer d'un poids, de quelque chose qui vous pèse depuis longtemps, qui a amené et qui amène encore des doutes et des incertitudes. Nous avons aussi l'ours, donc on voit un retour à la stabilité dans votre vie matérielle, dans vos finances. On nous parle de sécurité, de confort, mais on voit aussi que vous allez trouver la force, vous allez trouver le courage en vous. La carte de l'ours, c'est aussi une personne qui vous protège, qui vous guide. Ça peut représenter une personne qui joue un rôle important pour vous. Nous avons aussi les souris. Donc il y a justement des doutes, des incertitudes qui sont présents au niveau financier. Mais on voit que vous allez retrouver un équilibre. Peut-être aussi que vous avez des interrogations en lien avec vos finances, en lien avec un projet que vous souhaitez concrétiser. Nous avons aussi la lettre. Donc il y a des nouvelles que vous allez recevoir. La lettre, ça peut être un message, c'est une information importante qui arrive à vous. On peut voir ici que cela fait longtemps que vous attendez de recevoir ce message. C'est principalement par écrit. Donc ça peut être un SMS, un mail, une lettre. En tout cas, c'est un message important qui arrive pour cette semaine. Nous avons aussi le cavalier. Donc on a cette notion, encore une fois, d'un message important qui va vous être donné. On voit aussi une personne qui va vous apporter des nouvelles, mais ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. Avec le cavalier, on voit que vous allez passer à l'action. On voit vraiment que vous allez mettre en place de nouvelles choses. Mais il y a une grande détermination qui est présente en vous. Nous avons aussi l'enfant. Alors ça peut être des nouvelles en lien avec un enfant, des nouvelles d'un enfant, des nouvelles peut-être d'une personne qui est plus jeune que vous. Ça peut aussi représenter un adolescent. Mais la carte de l'enfant nous confirme aussi un nouveau projet. Ça peut être des nouvelles concernant quelque chose de nouveau dans votre vie. Et nous avons le lys. Alors ici, on nous parle de maturité, on nous parle de sagesse. On voit vraiment une évolution en lien avec un enfant. Mais ça peut être aussi des démarches importantes, des démarches administratives qui sont en lien avec un enfant, justement. Alors, dans ce qui ressort ici, on voit des nouvelles qui sont en lien avec votre carrière. On voit qu'il y a un projet qui vous tient à cœur. On vous parle ici d'une chance, d'une opportunité. Ça représente aussi un gain au niveau financier. On voit ici un nouveau projet, un projet qui serait indépendant. Peut-être le fait de vous mettre à votre compte. Il y a un petit peu de nervosité par rapport au changement qui arrive. On voit que vous allez tourner une page importante, vous allez pouvoir concrétiser un projet. On vous parle aussi de sagesse, de maturité, et il y a une notion aussi de démarche administrative, de démarche importante pour pouvoir concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Alors, on va voir également les messages du jeu de 32. Alors,
la coupe, nous avons le valet de trèfle et nous avons le 9 de carreau. Ici, on peut nous indiquer une personne qui se sent bloquée dans une situation. Ça peut représenter un jeune homme. Je ressens en tout cas une personne avec qui vous avez un lien important, qui peut ressentir des ralentissements, des blocages qui sont présents. Mais on voit aussi une personne à laquelle vous allez pouvoir vous associer dans un projet. Et on voit vraiment que vous allez pouvoir surmonter les obstacles qui sont présents. Mais vraiment, cette personne va être présente pour vous, va pouvoir vous soutenir, vous conseiller également. Alors, on va voir les messages. Au dos du jeu, nous avons le 8 de cœur, le 9 de trèfle et le 7 de trèfle. Alors ici, on voit des communications qui sont en lien avec votre carrière, votre vie professionnelle. On vous parle d'une opportunité, de quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. Ça peut être une proposition au niveau professionnel. En tout cas, on voit vraiment quelque chose de nouveau. On voit une nouvelle énergie qui va arriver dans votre carrière. Alors, nous avons la carte du valet de cœur. Nous avons la dame de pique. Le 9 de pique, l'as de pique. Nous avons la dame de cœur. Nous avons la dame de trèfle, le 10 de trèfle, le 8 de carreau et le 8 de trèfle. On a beaucoup le chiffre 8, donc ça peut être un chiffre qui va être important dans cette semaine, qui est en lien avec l'infini, avec votre connexion avec l'univers, avec vos guides. On voit aussi quelque chose qui va se concrétiser, qui est en lien avec des personnes qui vous entourent. On vous parle ici d'un changement important. Vous allez vous libérer d'une situation qui a pu amener des doutes, peut-être un sentiment de solitude. On vous parle aussi d'une concrétisation qui est en lien avec une personne plus jeune que vous. Ça peut représenter un fils, un frère, un ami, en tout cas une personne qui est importante pour vous. On a aussi la dame de cœur. Donc ici, on peut nous parler d'une sœur, d'une meilleure amie, d'une présence importante. On voit vraiment ici une concrétisation qui est en lien avec des personnes de votre entourage, des personnes de votre famille. Il est question aussi de démarches en lien avec vos finances. On voit que vous allez vous engager dans un projet qui va être bénéfique au niveau matériel. On vous parle aussi de petits déplacements pour pouvoir vous engager dans un projet. Donc c'est comme si vous alliez entreprendre des démarches, ça peut être des démarches administratives ou aussi en lien avec une procédure. On voit aussi avec le 8 de trèfle justement qu'il y a beaucoup de projets que vous souhaitez concrétiser, réaliser. Et vraiment avec ce 9 de pique, vous allez vous libérer de certaines énergies. C'est comme s'il y avait eu une séparation ou un événement soudain qui va vous permettre justement de concrétiser de nouvelles choses. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir également les messages avec l'oracle de Lotus. Œil de lotus, pardon. Donc on va voir quelles sont les énergies. À la coupe, nous avons la force et nous avons la sagesse. On voit une grande puissance qui est présente en vous. On vous parle de maturité, de réflexion. On voit vraiment que vous allez ressentir une forte détermination en vous. Et en même temps, on a un grand lâcher-prise qui est présent, qui va énormément vous guider et qui va vous permettre d'avancer sereinement. Alors, quels sont les messages ? Au dos du jeu, nous avons les ennuis, l'été et la chance. Il y a ici une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous. On voit aussi que vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de changement. Il y a quelque chose qui a commencé à se mettre en place, qui commence à se mettre en place cet été et qui va vous permettre d'avancer vers une nouvelle énergie. Alors, nous avons la prudence, nous avons la carte des nouvelles. Nous avons la maladie, nous avons la lune et nous avons l'effort. Alors ici, on voit vraiment que vous prenez le temps nécessaire. Peut-être aussi que
vous avez envie d'avancer en prenant le temps. Mais également, avec la prudence, on voit que vous analysez tout ce qui vous entoure. On vous parle aussi d'un message, on vous parle d'une information que vous allez recevoir hein, qui va énormément vous guider, puisque avec la Lune, on vous parle d'intuition, de ressenti. La carte de la maladie peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui vous bloque actuellement. C'est bien entendu au sens symbolique. Ça peut nous indiquer ici comme un poids que vous portez sur vos épaules, une sensation de fardeau qui est présent. Et on voit une grande détermination. L'effort nous indique vraiment que vous allez mettre toutes les énergies nécessaires pour faire avancer vos projets. Mais aussi, je ressens que vous allez passer à l'action. Vous allez pouvoir vous lancer dans un projet. Il y aura aussi des communications avec une personne qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Et quand même, avec la prudence, vous allez analyser les choses. Vous allez aussi pouvoir vous connecter au moment présent. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir aussi les énergies au niveau sentimental. Donc, on va utiliser l'améthyste Love Oracle et on prendra aussi des petits cœurs. Alors, au niveau amoureux pour cette semaine, nous avons la relation toxique et nous avons le non. Donc ici, on vous dit qu'il y a une relation justement qui va être bénéfique pour vous. On voit que vous allez pouvoir vous affirmer, dire non à certaines choses. Donc je perçois vraiment que vous allez retrouver votre place au niveau sentimental. Vous allez prendre de nouvelles décisions qui vont être très importantes dans votre vie amoureuse. Alors, quels sont les messages ? Au dos du jeu, nous avons « Deviens maître de ta vie ». Donc ici, vous allez reprendre le contrôle sur votre vie amoureuse. Vous allez manifester de nouvelles choses. Donc on voit que vous allez attirer de nouvelles énergies vers vous. Vraiment, votre pouvoir de manifestation va être encore plus grand. Et on vous invite justement à attirer de nouvelles énergies vers vous. Alors, nous avons la carte de la maman. Nous avons le froid, nous avons l'élévation, le coup de foudre. L'amitié sincère, j'attends ton retour, le bonheur, la pause et nous avons le consultant. Il y a peut-être une période de froid, une période de ralentissement. Alors ça peut être aussi au niveau de votre famille, par rapport à votre entourage. Mais on voit que les choses vont pouvoir s'élever. On voit vraiment une prise de conscience importante. C'est vraiment une ascension que vous allez ressentir dans votre vie amoureuse. On nous indique que vous avez eu un coup de foudre pour une personne, vraiment un déclic important que vous avez ressenti. On vous parle de bonheur, on vous parle de joie, donc vraiment une relation amoureuse qui va être épanouissante. On voit aussi que vous partagez beaucoup de complicité avec cette personne, vraiment vous êtes sur la même longueur d'onde. Et on voit aussi que vous pouvez ressentir une certaine nostalgie en vous. C'est comme si vous attendiez quelque chose depuis longtemps. Ça peut être aussi une attente par rapport à une personne de votre passé. On voit aussi qu'il est question d'un temps de réflexion. Vous allez vraiment prendre le temps nécessaire de vivre aussi le moment présent. Et avec la carte du consultant, cela peut vous représenter si vous êtes un homme. Ça peut aussi représenter la personne de votre cœur. Mais l'énergie masculine, c'est aussi le fait d'être dans l'action, le fait de mettre en place de nouvelles choses. Alors, on va voir aussi les messages qui ressortent. Donc, prenez uniquement si ces messages résonnent en vous par rapport à ce que vous vivez. Alors, nous avons « Seul le temps le dira ». Donc, on vous dit que le temps, justement, va jouer un rôle important dans votre vie sentimentale, quelle que soit la situation. Ça peut être justement que les choses vont avancer au fur et à mesure du temps. Alors, nous avons également « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » Donc ici, on vous invite à ne pas culpabiliser. Il peut y avoir peut-être des regrets, il peut y avoir de la culpabilité qui est présente, mais on vous invite vraiment à être compatissant envers vous-même, à être à l'écoute de tout ce que vous ressentez. Et nous avons aussi le message « Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. »
Donc ce message est vraiment magnifique. Il y a une personne justement qui vous dit qu'elle vous aime. Il y a une personne qui pense énormément à vous. Donc on voit vraiment que l'amour que cette personne ressent pour vous est très profond, très intense. Donc c'est vraiment un message magnifique. Donc je vais reprendre les cartes et on va voir aussi les messages des breloques. Alors, nous avons le soleil. Donc, le soleil vous parle de bonheur, de joie, mais aussi de réussite. Donc, ça peut être une réponse positive qui arrive pour cette semaine. Mais avec cette breloque, on vous parle aussi d'apaisement, de chaleur et de bien-être. Alors, par rapport à votre foyer, on vous parle d'amour, on vous parle de complicité avec les personnes avec qui vous vivez. On voit aussi que vous allez y voir plus clair dans vos relations. Il est question aussi d'un nouveau projet. Mais ça peut être aussi des éclaircissements en lien avec un enfant. On a encore une fois le cœur, donc on a vraiment cette notion d'amour qui est renforcée. Nous avons aussi l'horloge, donc on a peut-être quelque chose qui est en attente pour le moment. Vous souhaitez mettre en place quelque chose, mais on vous invite vraiment à vivre le moment présent. Concernant un voyage, il peut y avoir un déplacement qui est en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. Ça peut être aussi une personne qui vit loin de vous actuellement. Au niveau amical, on vous parle ici d'un lien où il va y avoir un renouveau, une nouvelle énergie qui va être présente. Au niveau sentimental, il peut y avoir un voyage en amoureux. Ça peut être aussi une relation à distance, ça peut être une relation avec une personne d'origine étrangère. Mais ça représente aussi une transition importante dans votre vie sentimentale. On voit que les choses sont un petit peu bloquées actuellement, mais on vous indique qu'il y a toujours un chemin pour pouvoir dépasser ces obstacles. Dans votre moi intérieur, nous avons la lettre T. Donc la lettre T me fait penser au travail, donc un travail intérieur, le fait de faire évoluer les choses, le fait de faire grandir vos projets. On a aussi un coup de fil qui arrive de la part d'une personne et on voit beaucoup de chance, beaucoup de prospérité dans vos projets. Au niveau familial, nous avons Just for You. Donc, c'est comme si une personne de votre famille va faire quelque chose juste pour vous. On voit vraiment que c'est une personne qui va être présente à vos côtés. Au niveau professionnel, on vous parle aussi de chance, on vous parle d'abondance. Et nous avons aussi des nouvelles qui arrivent au niveau professionnel. Au niveau financier, il y a peut-être des ralentissements qui sont présents. Vous allez recevoir des messages à travers la musique, à travers des sons que vous allez entendre. Et un petit peu au niveau professionnel, nous avons aussi l'eau. Donc, on voit une certaine fluidité. On voit que vous allez être guidé par vos émotions, par tout ce que vous ressentez en vous. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, vous allez pouvoir choisir entre ces trois pierres. Et pour chaque pierre, je tire un message de l'oracle Amour Universel. Donc pour la première pierre, vous avez un cristal de roche. Pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Et pour la troisième pierre, vous avez une pierre de lune. Donc je vous laisse faire votre choix. Ce sont aussi des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Si vous souhaitez, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Alors, on va voir quel est le message qui vous est destiné. Donc, le cristal de roche, l'améthyste et la pierre de lune. Alors, on va commencer par le message pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre qui va amplifier les énergies. C'est une pierre aussi qui favorise la concentration et c'est une pierre qui développe également les visions, les ressentis. Nous avons pour vous le message des rêves. Alors je vais vous lire le message de cette carte. Qu'est-ce que vous dit ce message? Alors cette carte vous dit « Des vagues d'énergie guérisseuses se déversent sur vous pendant votre sommeil, restaurant inconsciemment votre équilibre et vos problèmes émotionnels non résolus. Le problème qui découle certainement d'une vie passée,
en passe d'être résolu et guéri pendant votre sommeil. Vous ne pouvez pas être au courant de ce problème ayant eu un impact négatif sur votre vie, mais il se manifeste à travers des sensations désagréables inexpliquées, le manque de confiance en soi ou une peur irrationnelle. La bonne nouvelle est que laisser le processus s'accomplir sans chercher à lui donner du sens. Ayez confiance car vous allez bientôt vous sentir libéré de la négativité qui a si souvent saboté votre évolution dans le passé. Une personne plus lumineuse et plus confiante en elle va bientôt émerger. Donc ici, on voit que vous allez recevoir énormément d'informations à travers vos rêves. Vous êtes connecté à vos guides lorsque vous dormez. Donc il peut y avoir énormément de messages, de symboles qui vont être présents. Donc on vous invite vraiment à être attentif à ces messages. On va voir aussi le message de l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui va apaiser le stress et les angoisses. Et c'est une pierre aussi qui permet d'avoir des rêves lucides. Le message pour vous, c'est union sacrée. Alors, quel est le message de cette carte? On vous dit, grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous allez fusionner avec un autre être et l'amour va devenir votre priorité absolue. Votre saison de l'amour est arrivée, le moment est venu d'aimer et d'être heureux. Vous êtes une belle âme, regardez à l'intérieur de vous-même et vous le constaterez. Il y a une perle dans votre cœur, fermez les yeux pour la ressentir. Dans l'autre, vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour. Donc ici, on vous parle d'une relation amoureuse qui va être sacrée, qui va être très importante pour vous. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre qui va développer les intuitions. C'est une pierre aussi de clairvoyance et c'est une pierre qui est reliée aux énergies féminines. Alors nous avons pour vous le message bilan. Donc quel est le message de cette carte? Alors on vous dit, il est temps de réfléchir à ce que vous avez accompli à ce jour. Souvenez-vous de qui vous étiez il y a 5 ou 10 ans. Regardez en arrière et vous vous rendrez compte du chemin parcouru. Donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici. Avec un peu de chance, vous verrez que les événements douloureux ou désagréables avaient un sens. Tout se transforme en or avec le temps, de même que les feuilles d'automne qui tombent sur le sol dessinent la tapisserie de nos vies avec des couleurs magnifiques. Donc ici, c'est une carte qui vous indique que vous allez terminer un cycle important. Donc c'est vraiment le moment de faire le bilan de tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que ces messages vous ont parlé, ont résonné en vous. Donc encore un immense merci pour tout votre soutien. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à savoir si cette guidance résonne en vous. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.